bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 2, toujours avec Claire Redfield. Nous en sommes à l'épisode 8.5 et on était arrivé dans l'orphelinat pour essayer de sauver Cherry. Et je vous cache pas que c'est une situation très compliquée. Les chiens ont débarqué, j'ai plus une seule balle, j'ai quelques soins. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais on doit s'en sortir. On est donc parti, comme d'habitude, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. N'hésitez pas à vous plonger dans le noir, prendre un casque ou des écouteurs, c'est toujours mieux. Et on s'embarque tous ensemble dans cette aventure horrifique, en essayant de trouver Cherry encore une fois, qui est je ne sais où. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Ça, les gars, ça emmène aux égouts, ça. Ça emmène aux égouts, ça. Appelle-moi Jean-Bernard si j'ai tort. Chérie, où es-tu? Ok, pour l'instant, ça mène plus à un bunker qu'aux égouts. Mais à mon avis, plus au lit. Chérie, j'arrive tout de suite. Elle a été emprisonnée, mais qu'est-ce qui se passe? Heureusement que ton père a encore un peu de confiance. Ah! Putain. Quoi? Cours, cours! Mais wesh! Lâche le morceau, frérot! Il est derrière toi! T'arrêtes pas! Comment ça? Oh là là! Vite! Te retourne pas! Oh là là! J'arrive, vite! Pas ouf le nouveau Space Mountain. J'ai déjà vu mieux. Attends. Mister X, c'est mort là? Est-ce que ça va? Est-ce que tu m'entends? Claire? Claire, il faut te réveiller, il va nous avoir! Réveille-toi! Réveille-toi! Réveille-toi. Réveille-toi! Ouvre les yeux. Ne bouge pas. Un infecté. Qu'est-ce qui... Chérie? Où est-elle? Chérie. Chérie va bien. Vous la connaissez? Quelle incroyable démonstration de force. Que lui est-il arrivé? On doit évaluer la situation. Qui êtes-vous? Moi, c'est Claire. J'avais pas prévu ça. Excusez-moi. Où est-elle? Allô? Hein? Oh, oui. Annette. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à William? Je sais pas. De qui vous parlez? La créature responsable de tout ça. Quoi? Aidez-moi à retrouver Chérie. Je dirais qu'il évolue beaucoup plus vite que prévu. Où allez-vous? Écoute, j'ai pas le temps de répondre à toutes tes questions. Tout est sous contrôle, d'accord? Je dois retrouver Chérie. Ne t'occupe pas de ma fille! Waouh! Mais c'est ouf à quel point ça change. Chérie et sa fille? Ok. Où est passée Chérie? Je sais pas, Claire, mais là, on est tous dans la merde. Toi, moi... Oh, qu'est-ce qu'on a là? Hop, ça je prends, clairement. Excellent, Claire, clairement, on adore. Bon! Bah, c'est compliqué. Il me reste un coffre à fouiller en haut. Je suis sûr que c'était un chargeur grande cape, tu vois, pour le Uzi. Pour être pas mal. Oh, mais non, c'est pas fermé, des barres. Hello! Ok, qu'est-ce qu'on a là? Rapport à propos de G. Les essais cliniques du virus G entreront bientôt en phase finale. En attendant la naissance de G, la nouvelle créature qui surpassera les humains, permettez-moi d'annoncer quelques détails relatifs à sa physiologie et à ses fonctions biologiques.
l'intelligence. L'intelligence du sujet commencera immédiatement à chuter et ses fonctions linguistiques disparaîtront en quelques jours. Il perdra alors sa capacité de raisonnement et son humanité. G sera une créature totalement instinctive, guidée uniquement par un besoin de survie et de reproduction. Capacité physique. Sa division cellulaire, et donc son évolution, particulièrement rapide, lui permettra de s'adapter à tout type d'environnement. De plus, sa capacité étonnante à se régénérer le rendra extrêmement difficile à tuer pour une arme légère conventionnelle. Comportement reproductif. La caractéristique la plus remarquable de G sera son désir intense de se reproduire. Il recherchera instinctivement des humains à l'ADN proche du sien afin d'y implanter un embryon. Les chances de succès sont cependant faibles et si l'ADN n'est pas suffisamment proche, une créature G sous-développée sera produite. Je suppose que les seuls individus suffisamment proches génétiquement seront les enfants biologiques du sujet. Voilà pourquoi il veut à tout prix sa fille, évidemment. Ok, bah ouais, mais les gars, c'est quoi de fuck, c'est quoi ça? Munition pour... munition améliorée. Pour SL... What, c'est quoi? Je l'ai pas encore. Je l'ai pas le SLS ou je sais pas quoi là. C'est le Magnum, je suppose. Très très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'en ai aucune fichue idée. On va commencer par save déjà. Là, quand tu vois que je save souvent, comme c'est le cas depuis quelques épisodes, c'est que je suis tout simplement plus sûr de rien. Je peux redescendre. Je peux aussi remonter. Donc je sais pas trop quoi faire. La logique voudrait qu'on aille par là, sait-on jamais. Il doit y avoir un petit truc très sympa. Non, pas du tout. Il n'y a jamais de truc très sympa là-dedans. Ok, là, on n'a rien. On continue. J'ai toujours pas de balle. Ah, j'ai oublié d'en prendre derrière. Est-ce que tu m'entends? Ah, attends. Ah, oui. Catastrophe. La pauvre Claire. Autant avec Ada, tu sais, ils étaient deux très souvent. Mais quand même, Claire, elle a vraiment pas de bol. Elle est toujours entourée de la gamine. C'est terrible pour elle. Ah oui, d'accord. Donc, je peux même plus remonter. Hein. Je suis baisé, hein. Je suis totalement baisé, c'est parti, c'est pas grave. Je peux juste pas remonter. Allez hop, on va bien se faire enculer en bas, ça va être cool. Et voilà, je suis dans la merde, au sens propre. Attends Claire, hein, on fait les jeux de mots plus tard, ma grande. Qu'est-ce qu'on a là? Combiné, allez hop, on économise des places. Oh là là, on vient pas du tout du... D'accord. On vient pas du tout de cet endroit-là, normalement. Ça va être terrible. Ok, on a quelque chose. Ok, très bien. J'ai oublié de regarder. Oh, mais je sais pas ce qu'il y avait dans la pièce d'à côté. C'est terrible. J'aurais tellement voulu savoir. En vrai, j'hésite à charger. Ça me paraîtrait plutôt pas trop mal, non? Vous en pensez quoi? Ah! On est direct au train. J'hésite à charger. Je sais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Sûrement inaccessible en vrai. Bah vous savez quoi, je vais charger et on se retrouve directement là-haut. On va voir un petit peu ce que ça peut donner parce qu'on sait jamais. Voilà, vraiment on sait jamais. On se retrouve directement ici. Allez, on est reparti. Bon, c'était une porte totalement close. J'ai chargé pour rien, on va pas se mentir. Mais j'ai utilisé de poudre pour me faire quelques balles de pistolet. Sait-on jamais, autant partir avec un maximum de chance sur soi. Nous revoici donc. Là où on en était. Funiculaire, ici. Ouais mais Claire, là tu poses peut-être un petit peu trop de questions. Je suppose qu'il y aura l'énigme de l'échiquier. Et ça risque d'être terrible. Parce que je sais plus du tout où sont les pièces. Elles étaient éparpillées un peu dans les égouts. Un peu partout. Donc on va voir un peu ce que ça va se... Ah putain. Comme ça on prend pas de dégâts. Hop, c'est cadeau ça. Alors, vous en pensez quoi les gars? Oh non. Ok. Ok, ça a l'air d'être bon. Et non. Okay.
Putain, c'est pas vrai, hein. Je t'éclate la tronche depuis tout à l'heure. Je peux pas récupérer mon cut, les gars, là, vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Je prends ça, mon gars. Ça, je prends. Bon, la grenade la plus worth it du monde. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, une commande. On a rien d'intéressant. Rien derrière. Et rien derrière aussi. Très bien. Bon, là, faut vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Email au QG d'Umbrella. Directeur Owens, des alarmes se sont déclenchées dans tout le Nest. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'entends des tirs et je n'arrive pas à joindre mon chef de section. On est pris au piège. Envoyez de l'aide au plus vite. Directeur Owens, la situation ici est désespérée. Le Nest a été contaminé par le virus. C'est incroyable. Le système de sécurité ne s'est pas activé. Il a été installé par des sous-traitants? Je suppose que oui, mais pourquoi? Meyer et Kim sont morts. Je n'arrête pas de tousser. Pourquoi vous ne répondez pas? Directeur Owens, vous, c'était vous depuis le... C'est ouf parce qu'avec Leon, on a lu tout ça. Hein, on a déjà lu et il n'y avait pas de Directeur Owens. C'est ça qui était dingue. Enfin, il y avait Directeur Owens, mais on l'a pas une seule fois vu. Donc, faut vraiment faire les deux scénarios. Très bien, bon, ça les gars, à moins d'un hasard juste incroyable, on sera pas dedans. Ok, très bien, on descend, c'est pas grave, très bien, on redescend, c'est pas toujours très grave. Qu'est-ce que c'est? Chérie, je te l'ai dit, je ne peux pas sortir d'ici avant d'avoir fini mon travail. Tu dis tout le temps ça. Chérie? Pourquoi t'es pas restée à la maison? T'étais en sécurité là-bas. Hé, hey, chérie! J'avais peur. Ces monstres étaient partout et... T'aurais dû appeler la police. C'est pourtant ce qu'on t'a appris. Je l'ai fait, mais personne n'est venu. Et tu répondais pas au téléphone, chérie, alors... Chérie, je n'ai pas le temps de discuter. Chérie! Chérie, j'arrive! Tiens bon, chérie. Évidemment, évidemment. Est-ce qu'on n'aurait pas là l'énigme de l'échiquier? Bon, le plan, c'est fait. Carte des égouts. On est dans une merde pas possible. Je préfère vous le dire tout de suite. On va tout fouiller par ici. Ça, c'est pas mal. Clairement, je prends. Pas assez de balles, pas assez de balles. Le commissariat, on l'a bien fait en vrai. Hein. Honnêtement, on l'a bien fait. Va falloir y retourner d'ailleurs. Bon! Brochure Société des égouts. Message du PDG. Merci pour l'intérêt que vous portez à Night Construction Company. Au cours des 20 dernières années, nous avons eu l'honneur de travailler sur le système d'évacuation des eaux usées des plus grandes villes de notre pays, sans jamais perdre de vue nos deux principes fondamentaux qui sont le design et l'aspect ludique. Chez KCC, nous pensons que le fait que notre œuvre soit souterraine n'empêche pas notre niveau de qualité de dépasser les attentes. Plus raffiné qu'une reine, plus perfectionné qu'un cavalier et aussi plaisant qu'un pion, notre travail garantit la victoire de nos clients. Dans l'espoir de vous rencontrer, le PDG de Night Construction Company, membre de l'Alliance des Échecs, tout ça, vous connaissez. On n'a pas de cassette, ça ne sert à rien, on n'a rien à y faire. Ça, on va le déposer là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux grenades, on va les garder, ça peut être bien plus qu'utile. Ça servira uniquement dans le commissariat. Bon, c'est un petit peu critique, hein, tout ça, non? On va prendre... bougez pas. On va prendre ça. On va prendre les balles de pistolet mitrailleur. On en a jamais trop. Il me reste pas mal de poudre en vrai. Ah, SLS. C'est des balles pour le SLS. C'est pour ça que je mettais des headshots, non? Ok. Ok, on va essayer quelque chose. Toc. Oh, mais non, SLS amélioré, je l'ai pas. Hop, ça ne sert à rien. On va garder la clé USB, hein. On sait qu'elle sert dans les égouts. Bon, écoutez, je suis dans une merde pas possible. Je suppose qu'il y a toujours que 3 pièces par ici. 1, 2, 3, impeccable. Accès à la zone U. J'ai perdu le truc qui expliquait comment ouvrir la porte de la zone U. Pendant le dernier transfert, je sais qu'il faut brancher une prise dans chaque terminal, mais si quelqu'un se rappelle de l'ordre, soyez sympa et affichez l'info sur ce tableau. Et l'info est ici, mais bon, ça sert à rien, de toute façon on n'a pas les pièces, et sûrement ça a dû changer ou du moins s'inverser. On va save, et on est reparti, hop, on va même utiliser carrément un nouveau slot. Eh les gars, aujourd'hui, vous savez quoi,
je régale, d'accord? On se fait tous plaisir. J'ai décidé que c'était ainsi. Allez, on est parti! Direction un nouveau lieu! Pour toujours plus de plaisir! Ils auraient pu donner un petit peu plus de balles, y'a que dalle. Hein. Ok, là, y'a rien à faire. Je peux pas, en fait. Y'a rien à faire nulle part! Je me suis énervé pour rien. Ça arrive! Ok! Bon, cette fois-ci, on va visiter sûrement 2-3 endroits des égouts où on s'était pas tardé avec Leon, mais on va s'attarder avec Claire, forcément. Donc là, on découvre énormément de choses et ça me fait extrêmement plaisir. Je crois que tout a commencé à l'épisode 4, vraiment, à séparer. Épisode peut-être 3 même, je dirais. Épisode 4, quand on a été dans les égouts pour la première fois et qu'on a croisé la première fois William, c'est là où, où tout a commencé à changer. Et... ok, de gauche... 2-12-8. Je me souviens que c'était sur le côté ici. 2-12-8. Aucun problème. Et c'est pas... c'est quoi? Voilà, c'est bien. C'était évident. Putain. Allez, monsieur, abusez pas, s'il vous plaît. Voilà, toujours dans l'abus, hein. On adore. C'est génial. Bon. SLS, ça commence à devenir embarrassant. Parce que je crois que maintenant, je l'ai en amélioré. Donc, ça veut dire que il va me servir de magnum, non? Attendez, on va voir un petit peu. Le cadre en acier permet à l'arme de tirer des munitions améliorées. Donc, oui. On doit transporter maintenant le SLS toujours avec nous. On a 4 armes. Incroyable, on y va. Donc, ça peut servir de pistolet plus de munitions améliorées. Ah, il y a tout qui change. C'est incroyable. Hop. Voilà. Et on va combiner avec ceci. Très bien. Comment ça se passait? Pas mal de choses. Attendez. J'ai combien de munitions de... là, on est en plus, là. 5 ou 9 mm. Attendez. Non, non, non. On a l'air d'être en plus. Très bien. Bon, on va voir ce que ça donne, les gars. Hein. On va revoir ce que ça donne. Ok. Très bien, on se casse. On se casse. On verra plus tard. Là, pour l'instant, clairement, on n'y est pas. On est reparti. Désolé, on perd beaucoup de temps dans cet épisode. Mais encore une fois, là, c'est de la nouveauté, c'est de la découverte. Tout va très très vite et ça fait peur. Direction prochaine salle de scène. Espérons que ce soit pas de la merde, évidemment. Plein de petits trucs ici derrière. On refoule tout, hein. Ils sont malins. Oh, il y a un gilet jaune. Oh la vache. Ok. Ça va être compliqué. Monsieur, faut mourir. Il est pas mort, hein. Tu t'en doutes. Voilà. Hop, ça c'est cadeau. Hein. Emmène ça là-bas. À tout à l'heure. Tu m'en donneras des nouvelles. Alors, les nouvelles sont bonnes? Ouais, c'est bien. C'est bien ce que je pensais. Ok, ça c'est pas mal. Bon, par contre, j'ai plus de grenades avec ces conneries. Donc je fais le malin, mais je pense que ça devient un petit peu critique. Hop. Ça, j'ai fait quoi? Oh! Raccourci! Incroyable! Très très bien. Là, on peut encore descendre. On a une manivelle que je n'ai toujours pas, et ça c'est terrible, voilà. Aïe 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 aïe. Bon, Mister X est mort. J'aimerais bien retourner au commissariat, par contre. Parce qu'il y avait mon casier, hein. Souvenez-vous. Ah, il faut partir. C'est par où? On en est à où, là, les gars? Attendez, je suis totalement perdu. On a une poutre supérieure blanche, ici. Bien envie d'aller là-haut, quand même, hein.
Ah bah dès que ça pue la merde, je suis attiré. Bon, on y va pas, on y va pas. Abusons pas. Elle est où la poudre blanche? Elle est là. Très très bien. J'ai un petit souci. C'est pas du tout par où passer. Je rigole. Ça va très vite, ça. Putain de merde! What? C'est géant! Comment on va faire? Mais il n'y a rien pour me faire avancer. C'est ridicule. Il n'y a rien. Je dis bien rien. Pour me faire avancer à l'heure actuelle. Je comprends plus rien. On passe par là, mais... Pff, si, je suis déjà passé par là. Hop, première partie, on fait le tour. Hein. Allez, hop. Ben ouais, putain. C'est ridicule. C'est ridicule. Il n'y a rien qui va, putain. Bah oui, on peut pas remonter. C'est terrible. Hop, un petit tour, hein. Un petit tour, ça c'est fait, c'est Bibi qui régale. Bon, on est reparti. Aïe, 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 aïe. Ah. Attendez. Attendez. On n'est pas passé là-haut. On n'a pas pensé à aller à gauche. Mais oui, c'est clair. On n'y a pas du tout pensé, donc on va de ce pas le faire. Ça, on prend... Oh, incroyable. Ça fait limite trop, et ça fait peur. Voilà! Ça, c'est fait! Et qu'est-ce qu'on a dedans? Bracelet d'identification requis. Je l'ai pas, évidemment. Je sais que là-bas, on a une pièce. On a quoi? On a une valise. On a une note! Reçu de livraison. L'article ci-dessous a été livré sur le lieu indiqué sur votre facture. Coffre résistant à la chaleur. La combinaison est écrite sur le côté du coffre à la craie. N'oubliez pas de l'effacer avant d'utiliser le coffre. Ça, on a déjà utilisé. Clairement, on a préchote un peu l'avenir. Très bien, très bien. Tout ça, c'est fait. Bon, bah, on a la manivelle. De nouveaux chemins s'ouvrent à nous. En commençant par... Blablabla. Il est où? En commençant par celui-ci dans les égouts. Mais alors, attendez, ça va être un sacré bordel. On a un double chemin qui s'ouvre même. On a même un triple chemin qui s'ouvre. Parce que cette putain de manivelle, au commissariat, ça va être plus qu'utile. Je l'ai attendu, cette manivelle de mort, hein, les gars. Allez, vous relevez pas, s'il vous plaît. Pas le temps pour ces conneries. Plus de balles de pistolet. Ça va être terrible. Ok. Allez. Ça, on l'avait jamais ouvert avec Leon, alors qu'on pouvait, hein. Mais fallait faire tout le tour de l'égout. Et j'avais une flemme incroyable. Et on avait fini l'aventure sans jamais l'ouvrir. Ok. Évidemment, encore utilisable. Ah! Ah oui! Souvenez-vous! Là-bas, il y avait une arme. Et il y avait deux pièces, deux pions. Qu'est-ce qu'on a là? Une clé! Clé étiquetée. Mmh. La clé des égouts. Ok. Oh non, c'est pervers, c'est pervers. Et on a autre chose là-haut à ouvrir, donc on va le faire de ce pas. Oh non, c'est cassé. C'est pas gentil. Allez, on y va, on porte ses couilles. Il reste 4-5 minutes de vidéo, mais c'est pas grave, on va prolonger. On va faire tout l'event. Et on va voir où ça mène. C'est parti. Là, c'était un enfer. Hein. Là, c'était un enfer. Ok. Cet endroit est flippant. Oh putain. Ça commence. Oh, bon sang. Ils sont partout. Ça commence. Rigole, hein.
rigole, frère, hein. C'est pas bien que je rigole, là. Comment? Comment? Okay. Oh, la vache. On va se régaler sur eux. Ok. Il envoie ses saloperies sur moi. Ok. Ok, il en a craché combien? Ok, il est mort. C'est terrible. C'est pas les mêmes bêtes. Non, 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 non. Je suis désolé, j'ai pas le temps là. Ah! Putain. Waouh, waouh, waouh! Ok, les gars! C'est terrible! Ok. On va pouvoir continuer. Ça, c'est un épisode fondant en croquin. Non, mais les gars, ça... là, ça commence à devenir fort gênant. Ça commence à devenir fort gênant! Ok. Au pire, je me ferai blesser, c'est pas grave. Enfin, je me ferai blesser. Oh non, j'ai pas été débile. Qu'est-ce qu'on a? C'est le lance-flamme, ça, non? Ok. Là, on a le roi. Oh non, mais les gars. Ça devient trop, là. Là, on a la reine. J'ai oublié de regarder les pièces qu'on avait derrière. C'est pas grave. Là, on a... Ok, alors comment on va faire? Faisons les choses en ordre. Composants électroniques. Ça, c'est fait. Donc maintenant, je suis enfermé. J'ai l'air d'un con. Là, c'est la queen, donc je l'ai pas. Mais... What the fuck? Je peux ouvrir. Très bien. Et dites-moi pas que je suis venu pour rien ici, les gars, hein. Quoi? Ok. Non, c'est... What? Oh là là. Oh, oh. Ah! Oh la vache. Ok. La racaille, ça dégage. Hein. Je comprends rien. On est reparti. Attendez. Ok, non, là, c'est... Faut aller de l'autre côté. Attendez. Bim, 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 bim. Là, il me faut quoi, là? Il me faut le queen. Donc, il faut elle. Non. Pardon. Ok. Il me faut... Celui-ci. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, je veux juste accéder à cette putain de pièce. Là, il me faut celui-ci. Ok. Bon, ça c'est fait. Un joli lance-flamme. Là, on va pouvoir déverrouiller. Voilà, aucun problème. Le lance-flamme, c'est... Non, c'est un fusil. What? Bon. Le lance-flamme, c'est presque fait. Alors, attends. Si on réfléchit bien... Voilà. Ça... Non. Non, non, non. Si on réfléchit bien, faut que je prenne celle-ci. Ensuite, que je réouvre ici. Ok. Voilà, que je réouvre ici. Ah, mais c'est terrible. Ah, ça me fait chier quand même. Ah non, ça m'embête. Ah, ça m'embête tellement. Ah là là. C'est pas grave, les gars. Ça fait mal, mais bon, on s'en remettra.
Ok. Ah putain, je me suis encore chié. Ok. Et on va pouvoir refaire le tour. Moyen que je me fasse chier pour rien. J'ai cru voir un truc briller, mais my bad, ça doit être la lampe. Allez, on peut repartir. Bon. C'est quoi cette boucherie là? Attendez. Attendez, mais j'ai trop d'armes en vrai, genre... Ah oui, j'ai beaucoup trop d'armes. C'est ridicule. Hop. Attendez. Voilà. Ça a l'air d'être une boucherie, ça. Hein. J'ai hâte de l'essayer. Ça a l'air d'être un taser, frérot. Attention, je crois que t'es pas prêt. Hein. Oh, on a bousillé un soin. Ça me fait mal au cœur. Mais par contre, on a les deux pièces. Et ça me fait moins mal au cœur. Ok, c'est par ici. Bon, deux pièces. What? Décharge maximale. Ok. J'avoue ne pas avoir compris. J'avoue ne pas avoir compris. Très bien, il reste quelque chose à faire dans ce canal de mort. Je rigole! Ça, je prends par contre. Ah. Attends. Aïe! Ok. Ah, oh, putain. Fou. C'est terrible! J'ai trop de choses! Eh, c'est pas grave, hein. On vit qu'une fois, les gars. Je sais pas, peut-être que ça valait le coup de le garder. Oh, ça, c'est... Allez, salut, mon pote! L'autre, il est en train de bégère, là. Salut, mon gars! Ah! Ah bah oui. On peut pas passer par là. C'est bon, stop gros. T'en envoies combien, putain? Gerbe contre mort. Bah ouais. T'assois. Le mec qui dégoupille ses longs darons là. Laissez-moi tranquille, hein. Ok. Enfin. Y'a rien. Y'a rien. On se casse. Enfin, enfin, on est de l'autre côté. C'est bon, on va pouvoir se casser. Oh non. Quoi? Non. Allez. Ah, c'est dégueulasse. Ah, je suis bloqué. Fort endommageable. Allez, hein, on s'en va. Bon. Alors, on va récapituler. Je me suis fait gerber dessus. Ok, d'accord. Ça, c'est fait. J'ai plus à refaire, si je puis me permettre. Donc, le vomi, c'est fait. Qu'est-ce qui reste d'autre? On a fait des allers-retours. Plutôt même beaucoup. C'est fait aussi. On va pouvoir, je pense... Putain! Mais c'est pas vrai! Oh la vache! Incroyable! Bon bah, mordre! C'est fait! Et là, comme par hasard... Hop, ça dégage. On a créé une place, c'est fait. C'est terrible, hein? Terrible! Allez! Je retourne au QG. On a deux pièces sur trois. C'est plutôt pas trop mal. On va pas rester très longtemps dans les égouts, mais dès que j'ai l'occasion de retourner au commissariat, ça par contre, j'ai hâte, histoire d'ouvrir enfin ce casier et voir ce qu'il y avait dedans. J'espère que cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.